Nous sommes à la boîte à Marseille pour le week-end Be My App marseillais. Vous présentez ? Oui, donc notre équipe est composée de deux apporteurs d'idées, donc Benjamin Volant et moi-même, Jordan Montel, ainsi que d'un développeur, donc Bertrand Laser, une aide marketing, qui est Benjamin Atlani, et une gestion de projet, une aide à la gestion de projet, Bruno Delozen, et d'un designer qui est basé à Paris, Amadouche Sami. Bonjour à Marseille, donc Sami Amadouche, participant à Be My App pour la seconde fois à Paris. Donc je suis copilote et designer donc, sur le projet Where Are You, qui est donc un projet initié par une équipe marseillaise avec des personnes au niveau de l'idée, du développement, et de la conception. Donc là, je viens de passer un moment à m'entretenir avec Benjamin pour qu'on affine un petit peu les aspects de fonctionnalité du projet, d'interface et d'ergonomie, qui sont les trois sujets sur lesquels moi je vais contribuer, et puis la vision un petit peu candide et professionnelle, puisque par ailleurs, moi je mène une activité d'éditeur et de producteur dans le domaine du numérique et d'enseignant-chercheur. Voilà. Quel est votre projet ? Donc, par rapport à notre projet, on s'est posé une question toute simple que tout le monde s'est posée. C'est par exemple, qui n'a jamais cherché quelqu'un dans une foule ou au Vieux-Port, par exemple, un 14 juillet ? Donc là, c'est là que notre application va rentrer en jeu. Elle va facilement nous permettre de trouver un ami. Donc, elle se nomme « Where are you ?» Donc, en français, « Où es-tu ?» Et en fait, il va suffire d'utiliser la position de nos contacts pour pouvoir trouver la personne en temps réel grâce à la caméra de l'iPhone. Donc comment ? C'est en utilisant la géolocalisation et la réalité donc, augmentée de notre iPhone que l'on va pouvoir trouver nos contacts. Vous en êtes où ? Alors pour ce projet, il y a des aspects techniques qui sont assez importants puisqu'il y a de la réalité augmentée, il y a la nécessité de communiquer les coordonnées entre les différentes personnes qui doivent se retrouver, il y a de la notification push. Donc tout ça fait beaucoup de points techniques à mettre en œuvre et heureusement on bénéficie aussi d'aide de développeurs extérieurs qui vont nous aider un petit peu sur les aspects back-end. Mais bon, on a bon espoir d'arriver à l'objectif et de pouvoir présenter quelque chose de fonctionnel. Quelle démo pour demain ? On va réaliser un petit film montrant l'application en temps réel dans la ville par exemple et ensuite une expérience en live devant la caméra. C'était le projet Where Are You durant le week-end Be My App à Marseille à la boîte, 5 février 2011.